Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie, l'émission qui téléporte l'écrit à l'écran. Nous sommes en direct, nous sommes en public, nous sommes sur France 5. Ce soir, je vous propose une grande librairie qui invite au voyage et qui enquête sur des mondes aussi ambigus qu'intrigants. De l'Écosse aux États-Unis, en passant par la France-Afrique, eh bien vous allez découvrir de drôles de choses. Qui sont nos guides? Voici tout de suite leur portrait en images. Regardez. Souvenez-vous, il y a 3 ans, Joël Dicker publiait « La vérité sur l'affaire Harry Kéber », l'histoire d'un écrivain en panne d'inspiration qui s'improvise enquêteur dans une affaire de meurtre. Porté par la critique et par un incroyable engouement populaire, le livre est devenu le phénomène d'édition de l'année 2012. Au total, 1,5 million d'exemplaires vendus en France, des traductions dans 45 pays et plusieurs prix, dont le Goncourt des lycéens. À la sortie de son roman, Joël Dicker était un parfait inconnu. Ce jeune Suisse de 27 ans avait abandonné son poste d'attaché parlementaire à Genève pour se consacrer à l'écriture. Mais la plupart de ses manuscrits avaient été refusés par les éditeurs. Aujourd'hui, Joël Dicker publie Le Livre des Baltimore, un roman très attendu. À 29 ans, Alice Zeniter est elle aussi une nouvelle voix de la littérature française. Et une voix particulièrement précoce. Alice Zeniter a écrit son premier roman à 14 ans. Un roman qu'elle dit avoir rédigé au fond de la classe, en cours de physique, et qui fut publié par une maison d'édition nantaise. À 16 ans, son bac en poche, elle entreprend des études de lettres, Hippocagne, Cagnes, Normal Sup, avant de partir comme lectrice à Budapest. En 2013, revenue en France, Alice Zeniter termine l'écriture d'une saga familiale hongroise. Son roman, Sombre Dimanche, décroche le prix du Livre Inter. Dans Juste avant l'oubli, qui vient de paraître, elle nous emmène sur une île au large de l'Écosse, où un célèbre auteur de romans à suspense a disparu. En voici un célèbre auteur de romans à suspense. On lui doit notamment Les Rivières Pourpres, adapté au cinéma par Mathieu Kassovitz. Jean-Christophe Granger signe un nouveau roman. Diplômé de lettres, titulaire d'une maîtrise sur Flaubert, il débute sa carrière en écrivant des slogans publicitaires. Mais très vite, il s'ennuie. Alors à 28 ans, Jean-Christophe Granger part découvrir le monde. Calcutta, la Mongolie, le Groenland, et vend ses reportages à de grands journaux. C'est d'ailleurs l'un de ses voyages qui lui inspire en 1994 Le vol des cigognes, son premier polar. Son nouveau roman, Lontano, qui se passe pour partie en Afrique, met en scène un dangereux tueur en série. En toute franchise, c'est le titre du nouveau livre de Richard Ford. Pour l'occasion, l'écrivain américain renoue avec un personnage qui a traversé son œuvre, Frank Bascombe. Richard Ford est né en 1944 dans l'État du Mississippi. Il a travaillé comme journaliste sportif avant de devenir un écrivain reconnu, soutenu notamment par Raymond Carver. Dans ses romans, Un week-end dans le Michigan, L'état des lieux, ou encore Indépendance qui lui a valu le prix Pulitzer en 1996, Richard Ford raconte l'Amérique à travers le quotidien et les désillusions de la classe moyenne. Il y a 2 ans, il a publié Canada, un magnifique roman couronné par le prix Femina étranger. Et comme chaque jeudi, une librairie nous ouvrira ses portes, mais cette fois, le mystère plane sur l'identité de notre libraire. Ben voilà, ça s'appelle du suspense ou je m'y connais pas. Il y aura du suspense tout au long de cette émission, mais pas seulement, parce que, vous le savez, les polars sont aussi souvent les baromètres de la société. Nous parlerons du couple, de la famille, des rêves avortés, en compagnie de Joël Dicker. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour, j'allais dire, ce deuxième roman. Mais non, c'est pas le deuxième. C'est le troisième. Troisième. Ouais. Mais c'est vrai que la vérité sur l'affaire Harry Kéber avait été un tel succès qu'on a le sentiment que vous êtes né avec ce livre il y a 3 ans. Bonsoir, Alice Zeniter. Bonsoir. Ravi de vous accueillir aussi. Ravi d'être là. Sur ce plateau, juste avant l'oubli. Alors là, faux polar, vrai roman sur le couple et puis la séparation. Jean-Christophe Granger, bonsoir. Bonsoir. Très content de vous retrouver et puis de vous retrouver, j'allais dire, au meilleur de votre forme. Vous m'avez bluffé sur ce livre-là, bluffé. 800 pages presque. Comme disent les jeunes, ça se fume en 2 jours. Et puis tout à l'heure,
dans la deuxième partie de l'émission, la belle surprise, il est de passage à Paris. Richard Ford, le grand écrivain américain, viendra nous rejoindre sur ce plateau pour parler de son tout nouveau livre. Et c'est le retour de Franck Bascombe, l'un des personnages emblématiques de la littérature contemporaine. On va commencer avec le livre des Baltimore, si vous le voulez bien. Revoici l'écrivain Marcus Goldman, le héros de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Alors le revoici hanté par un drame. Drame survenu quelques années plus tôt dans sa famille, disons-le sans trop en dévoiler. Trois cousins amoureux d'une même femme. Alors là, évidemment, c'est l'ingrédient principal pour un grand roman à suspense, dans lequel dominent les secrets, mais aussi la jalousie. J'en dis pas davantage parce que je ne voudrais pas dévoiler l'intrigue. Mais par contre, nous allons évoquer les personnages, les thèmes et puis l'écriture du livre des Baltimore, publié par les éditions de Fallois et qui est sorti hier en librairie. Joël Dicker. Alors évidemment, première question, pour quelle raison avoir choisi de reprendre ce personnage, Marcus Goldman, qui était déjà le narrateur, le héros bien malgré lui, de votre précédent roman? Mais toute la question que je me suis posée au moment où le succès m'a frappé, parce que c'est un peu un choc. Le succès m'a frappé, ça donne un peu l'impression que c'est la foudre et que c'est terrible. C'est un peu la foudre parce que c'est mon troisième roman qui paraît aujourd'hui. C'est en fait mon septième roman, c'est le septième que j'écris. Et ça veut dire que quand j'ai écrit Kéber après avoir été refusé cinq fois, j'étais dans une dynamique qui était la mienne. Ça veut dire que je commençais un roman qui pour moi était le début de ce que je voulais être une trilogie américaine. Parce que les cinq premiers se passaient en Europe. Et que j'avais envie de vivre autre chose, que j'avais envie d'avoir des nouvelles émotions, que j'avais envie de raconter aussi cette Amérique que je connais bien, et surtout cette côte Est que je connais bien. Et j'ai eu l'idée d'une trilogie, et j'ai commencé le livre des Baltimore une fois que j'ai fini Kéber, et avant que Kéber paraisse. Et c'est pour ça que je dis que j'ai été frappé par le succès, parce que j'avais mon idée en tête, j'avais mon projet, je savais ce que je voulais faire, et tout d'un coup le succès vient, et je me dis... Ah, est-ce que je peux le faire quand même? Est-ce que le succès change quelque chose ou pas au projet que j'avais? Je me suis posé la question en me disant, qu'est-ce que les gens vont dire si le personnage de Marcus est là? Est-ce qu'ils vont comprendre que c'est une logique qui pour moi est importante ou est-ce qu'ils vont se dire, il reprend le même parce qu'il veut refaire un livre qui marche bien? Et je me suis laissé au fond guider par ce qui est le plus important quand on écrit, à mon avis, c'est l'envie. C'est l'envie qu'on a quand on se lève tous les matins et qu'on se dit, je me réjouis de retrouver ces personnages, je me réjouis de retrouver cette histoire. Et cette envie pour moi, elle résidait dans ce livre. Et c'est ce qui m'a poussé à aller jusqu'au bout de la démarche. Qu'est-ce qui est le plus important, Jean-Christophe Granger? C'est l'envie quand on écrit ou est-ce qu'on se pose, très sincèrement, comme l'a fait Joël Dicker, la question de savoir si on va dérouter son public? Non, je suis tout à fait d'accord avec l'envie. L'envie? Pour attaquer le matin, moi j'attaque très tôt, il faut une bonne envie quand même. Très tôt, à 4 heures, oui, moi j'ai des horaires d'ouvrier. Vous commencez à écrire à 4 heures? Voilà, j'écris de 4 à 8. Où c'est le meilleur moment de la journée, il n'y a aucun coup de fil, pas d'enfant, vous êtes très tranquille. Je redors, je réécris, je redors et je réécris. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'étais en forme quand je me levais, donc je dors plusieurs fois dans la journée. Ça l'a pas mal, hein. Et alors, puisqu'on est sur les techniques d'écriture, vous, Joël Dicker, vous écrivez comment? Vous levez comme ça très tôt, vous rendormez, ces derniers mois, quand j'ai fini le livre, c'est-à-dire de janvier à juin, j'étais aussi sur un rythme similaire, qui était à 4 heures du matin. Et c'est vrai ce que vous dites, qu'à 4 heures, on a une liberté, on a un calme qui est absolument extraordinaire. Mais ça durait de 4 heures jusqu'à la fin de journée, 7 heures du soir, et après, moi, j'étais cuit. Mais c'est pour ça que l'idée de écrire et dormir, manger, j'imagine, entre, me plaît assez. Alice Militaire, est-ce que vous avez une discipline d'écriture similaire? Non, mais peut-être parce que personne ne m'appelle jamais et que je n'ai pas d'enfant. Du coup, moi, j'écris au calme toute la journée quand je veux. Et je suis, sur des horaires beaucoup plus... des horaires de bureau, quoi. Moi, je commence par aller marcher le matin, parce que sinon, je n'ai pas du tout la tête claire quand je me réveille, je ne sais pas ce que je pourrais écrire. Et après, je commence à écrire en fin de matinée jusqu'au soir, et ensuite, j'arrête. Je suis très, très banale. Aucun secret. Nous allons peut-être reparler des techniques d'écriture, parce qu'évidemment, quand on cherche à tenir le lecteur en haleine, on se demande, nous lecteurs, si vous avez des trucs, des recettes. Mais d'abord, je voudrais que vous nous présentiez, Joël Dicker, les principaux protagonistes de ce livre des Baltimore, c'est-à-dire les trois cousins, puisque c'est l'histoire d'une fratrie entre cousins. Hein, c'est paradoxal, mais c'est des cousins qui sont unis comme des frères, le gang des Goldman, et puis qui va exploser quand une femme va venir
s'immiscer entre eux. Qui sont-ils, ces trois cousins? Hillel, par exemple, pour commencer. Alors, Hillel est le cousin de Marcus. Donc, c'est Marcus qui raconte cette histoire. Et Marcus, on peut se poser la question de savoir s'il est vraiment un protagoniste ou pas, parce qu'il est en tout cas celui qui raconte, il est un observateur. C'est vrai, vous avez raison de le dire, parce que je ne l'avais jamais vu comme ça, qu'au sein du gang, il a une appartenance, il a une réalité qui est importante. Et donc, il y a le personnage de Hillel, qui est le cousin de Marcus, et qui est le cousin de sang de Marcus, c'est-à-dire que c'est le fils de son oncle et de sa tante, son oncle étant le frère de son père. Il y a... Alors attendez, ça a l'air extrêmement complexe comme ça, mais en réalité pas du tout. Et le grand talent de Joël Dicker, mais je suis sérieux, c'est que au début on se dit, mais attendez, il y a des familles, il y en a une qui habite à Baltimore, l'autre dans le New Jersey, on va rien comprendre. Non, pas du tout, ça se met en place très simplement. Donc il y a le cousin Hillel, on va le dire comme voilà. Ça. Voilà. Il y a Marcus l'écrivain. Il y a Marcus. Et puis il y a un enfant adopté. Oui. Qui n'est pas adopté vraiment, mais qui l'est en tout cas dans les sentiments, et qui est le personnage de Woody, qui est un ami de Hillel, qui est un enfant paumé, qui est d'abord aidé un peu par le père de Hillel, Saul, qui est un avocat, qui l'aide un peu quand il a des ennuis enfants. Et puis, peu à peu, Saul prend cet enfant Woody sous son aile, qui s'intègre dans la famille et qui devient comme un frère pour Hillel, et qui devient le quatrième membre des Goldman de Baltimore. Il y a un drame avec un D majuscule, hein, vous l'écrivez dès le départ. On finit très rapidement par comprendre, je ne dévoile rien, qu'en réalité, il n'y a pas LE drame, mais une infinité de petits problèmes qui finissent par être chacun des drames pour tout le monde. C'est un drame de la jalousie aussi que vous amenez de manière extrêmement fine. Est-ce qu'on est toujours jaloux des gens qu'on aime, particulièrement dans une famille? Ah, je crois. Je crois qu'on est toujours. Je crois que la jalousie est un sentiment important, est un sentiment qu'on éprouve tous et qu'on éprouve envers tout le monde. Je ne crois pas que la jalousie puisse ne pas être éprouvée pour des gens proches, pour des gens qu'on aime. C'est bien ça le problème. C'est bien le problème de ce sentiment qui est perméable à tout le monde et même à ceux de qui on aimerait ne pas être jaloux. Il y a malgré tout cette réalité qui nous frappe et qui dit, ben oui, on aimerait quand même être à sa place. Et il y a parfois la jalousie, quand elle va encore plus loin, on aimerait qu'il perde cette place ou il perde le statut qu'il a et qu'on jalouse. Alors vous avez raison de parler du statut, parce qu'il y a la jalousie, évidemment, sentimentale, ça on la voit venir, hein, j'allais dire, dans votre roman. Ce qu'on voit moins venir, en revanche, c'est l'analyse très fine que vous faites des différentes formes de jalousie quand elles se superposent les unes aux autres. La rivalité sociale, la jalousie aussi professionnelle, hein, et puis tout à coup l'utilité, c'est ça? Finalement, on se choisit un autre père, un autre mentor, et on se dit, mais à quoi je sers? Je ne sers plus à rien, puisque c'est l'autre qui est préféré. Oui, mais il y a aussi la jalousie dans ce que l'on perçoit de l'autre. Et parfois, la jalousie est très différente de la réalité. C'est-à-dire qu'on a parfois cette tendance à fantasmer la vie des autres, et à jalouser la vie des autres sans réaliser qu'en fait ce qu'on imagine d'eux n'est pas vrai. Est-ce que vous diriez qu'elle est plus forte aujourd'hui, la jalousie, avec notamment les réseaux sociaux, avec tout le narcissisme qui en découle? Je crois qu'elle est plus forte parce qu'on a tendance à avoir envie de susciter l'envie chez les autres. On a tendance à se prendre en photo, à mettre des filtres pour se montrer plus beau, plus comme ci, plus comme ça. Quand on voit une vedette dans la rue, on a envie de se prendre en photo avec elle. Pourquoi ? Pour la partager avec les autres et dire « Regardez-moi, regardez, ayez envie de moi, je suis avec cette personne-là en ce moment. » Et c'est intéressant, cette envie de susciter la jalousie chez l'autre, parce que je crois qu'il y a un sentiment de domination. Je crois que quand on essaye d'éveiller la jalousie de l'autre, ou quand on essaye de susciter l'envie chez les autres, on essaye de les dominer en ayant quelque chose qu'eux n'ont pas et qu'ils aimeraient justement avoir. Cette idée est l'un des fils directeurs du livre des Baltimore. Et comme Joël Dicker est extrêmement doué, il a réussi à lier ensemble différents fils. Vous êtes un petit peu le marionnettiste, vous les tirez tous en même temps. La rivalité sociale, la jalousie, le drame de la famille également. Comment fait-on quand on doit tenir comme ça plusieurs pistes et aussi tenir le lecteur en haleine? Est-ce qu'on suit un plan très précis ou est-ce qu'on laisse l'imagination et le travail quotidien guider ses pas? Mais c'est un peu des deux, je dirais, parce que le lecteur est important sans l'être. Parce que, en tout cas, je ne suis pas obsédé, je ne suis pas tout le temps en train de me dire « Est-ce qu'un lecteur va comprendre ci ou ça ?» Je suis avant tout obsédé par ma clarté. Je suis obsédé par mon sentiment. Et c'est le plus important, parce que mon sentiment à moi, si ce n'est pas clair, alors je sais que chez un lecteur, ce sera encore moins clair. Et c'est pour ça que dans toutes les relations qu'il y a chez les personnages ou dans tout ce qui peut se passer, il y a avant tout un souci de clarté pour moi. Parce que si je ne comprends pas, si je n'accroche pas,
c'est que c'est pas bon. Et la recherche de la clarté, c'est aussi la recherche de cette piste où on se dit, mais c'est bien sûr. Et du langage aussi, parce que ce qui m'a frappé, c'est que vous écrivez présent, passé simple. Vous adorez ça, hein, ouais. Flashback, passé simple, présent, efficacité totale. Ça, c'est volontaire ou ça vient comme ça au fur et à mesure de l'écriture? Mais ça vient comme ça parce que c'est l'efficacité, oui, mais c'est pas recherché. Dans l'efficacité, c'est pas un effet de manche. L'efficacité, c'est celle que le narrateur aurait quand vous êtes face à des gens et que vous leur parlez. Vous essayez de leur parler d'une façon qu'ils comprennent. Vous n'essayez pas de trouver dans votre tête les plus beaux mots pour essayer de les impressionner. Ouais. Et justement, c'est la question. Vous allez faire plaisir à Jean-Christophe Granger, parce que vous m'aviez dit une fois, ce qui compte pour moi, c'est l'efficacité et je suis un plan. Vous qui êtes un des maîtres du suspense. Moi, je suis le roi du plan, oui. Ah, vous êtes le roi du plan, toujours. C'est-à-dire, j'ai un synopsis très détaillé que je suis, et comme mes personnages évoluent parfois dans des directions. Il y a toujours une petite marge quand même d'incertitude. Je réécris mon synopsis à ce moment-là. Je veux toujours être sûr que ma colonne vertébrale est très forte en dessous les chapitres. Alice Zanitaire, vous, comment écrivez-vous? Vous nous avez dit à quelle heure, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment. Est-ce que vous savez exactement ce que vos personnages vont devenir ou est-ce que parfois c'est eux qui vous emportent et vous emmènent là où ils le veulent? J'ai un début de plan sans lequel j'aurais l'impression de me jeter d'une falaise sans parachute au moment où je commence à écrire. Mais après, j'ai des choses, c'est plus comme des touches de couleurs ou des choses qu'on apercevrait très loin comme ça dans la nuit et où j'entrevois un petit peu, j'entrevois des petites épiphanies comme ça, où je me dis, il y aura une scène qui sera empreinte de cette émotion-là, et je sais qu'elle se passera, par exemple, voilà, pour la scène de fête du colloque, je savais que je voulais une scène où quelque chose d'assez intense se passe pour mon personnage, et je savais que je voulais que ce soit avec des lumières de boules à facettes. Et c'est des éléments comme ça qui sont vraiment minuscules, mais qui jalonnent comme ça mon parcours, donc j'ai pas un plan tracé. Vous partez du détail, hein, pour ensuite faire la fresque. C'est quelque chose vers lequel je sais que je vais, et qui fait que je suis pas totalement perdue dans la nuit, mais c'est du petit que naît tout le reste, la grande trois forme. Trois façons assez différentes d'envisager l'écriture romanesque. Je reviens à vous, Joël Dicker, parce que, je le disais, ce qui m'a plu dans votre livre, c'est que c'est pas seulement une enquête, c'est pas seulement ce qu'on appelle un thriller, c'est aussi une réflexion sur l'état de notre société, sur nos rêves. Et il y a cette phrase formidable, page 386, que j'aimerais bien que vous commentiez. Ils avaient cessé de rêver, ils s'étaient laissés dévorer par une forme de renoncement à la vie. Ils étaient rentrés dans le rang. On a l'impression que vous êtes obsédé par l'idée de rentrer dans le rang. C'est le livre du renoncement, le livre des Baltimore? C'est le livre du non-renoncement, je dirais, en tout cas pour moi. Parce que c'est le livre que je voulais faire et ça a été dur pour moi de me rendre compte que malgré le succès, c'est-à-dire malgré tout ce qui peut venir dans la tête, en disant comment est-ce que vont penser les gens, est-ce qu'il ne faudrait pas que je casse ci ou que je casse ça ou que je change tout pour faire plaisir aux gens, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? Et dans ce qui pourrait être un livre qui est, certains disent, une suite ou en tout cas qui s'apparente au précédent, ce qui est le cas puisqu'on a le personnage de Marcus qui est là. Donc dans ce qui pourrait s'apparenter comme un livre qui est une espèce de rentrée dans le rang, dans le premier a été pas mal, on va faire un deuxième qui ressemble un petit peu, c'est exactement le contraire. C'est rester complètement fidèle à ce que je voulais faire. Quand auteur inconnu, pas lu, j'avais envie de commencer cette trilogie avec ces trois livres qui auraient ce lien ensemble. Trilogie, ce qui veut dire qu'on attend une suite ou un troisième volume. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être un troisième volume, sans doute. Est-ce que je l'éditerai ou pas? Ça, je ne sais pas, parce qu'après, ce sera toute la question que je me poserai par rapport aussi à ce que j'ai envie de présenter au lecteur. C'est quand même deux choses qui sont différentes. Ce qu'on écrit et ce qu'on présente. Parfois, je me suis demandé si ce livre paraîtrait. Ce n'est pas la finalité. Et même si le précédent a marché de façon assez exceptionnel, j'ai envie de dire, de façon très inattendue, il y avait aussi dans cette explosion du succès du livre quelque chose qui était, ce livre, voilà, il paraît parce qu'il paraît. Il paraît parce que tout d'un coup, Bernard de Fallois a un engouement pour ce Kepkeber et qui se dit, il faut le faire, que c'est comme ça, et que je le suis. Ça veut dire que peut-être que le texte suivant, je me dirais, je le garde pour moi parce que je n'ai pas envie de le partager pour des raisons qui sont les miennes à ce moment-là. Donc je dirais que ce livre, c'est l'affirmation, en tout cas mon affirmation, dans le non-renoncement à ne pas rentrer dans l'ordre.
Pas mal, rebelle hein, derrière le côté propre, lisse, etc. Voici ce qu'on appelle un jeune auteur à succès et une vraie tête froide et un très bon livre. Le livre des Baltimore, Joël Dicker, c'est donc le nouveau roman. Il est en librairie depuis hier, allez-y, et c'est publié aux éditions de Fallois. Alice Zeniter, alors je rappelle que vous avez obtenu le prix du livre Inter il y a 2 ans. Nous vous avions découverte sur ce plateau. Vous avez 29 ans. Vous publiez un roman que personnellement j'ai beaucoup aimé parce que, je le disais tout à l'heure, c'est un faux polar et en même temps un vrai roman sur le couple. Un couple qui se cherche malgré la distance, un roman sur les rêves qui s'opposent également, Joël Dicker, Juste avant l'oubli, coédition Albin Michel Flammarion. Et vous nous entraînez jusqu'aux Hébrides, ce chapelet d'îles très sauvages qui se situe au nord-ouest de l'Écosse et où alors, tous les grands écrivains ont aimé venir, puisque de Stevenson à Peter May aujourd'hui, en passant par évidemment George Orwell, certains ont été chercher l'inspiration dans la solitude de ces îles déchiquetées. Qui sont Franck et Émilie, les deux protagonistes de votre roman, lorsque débute cette histoire? Alors, Franck, il est infirmier. Il est fou amoureux d'Émilie. Et Franck, il se définit lui-même, je dirais, par 2 choses dans la vie. Le fait qu'il aime absolument Émilie et son besoin d'être utile. Son besoin voilà, d'être utile dans la société, d'être utile aux patients. Il est persuadé d'ailleurs qu'il est finalement bien plus utile qu'un docteur qui est toujours à la recherche d'un statut social, à la recherche d'un diagnostic qui lui permettrait de paraître plus intelligent qu'eux, alors que lui, il est au service des malades et de la même manière il s'imagine un peu être au service de son amour pour Émilie. Donc fou amoureux d'une femme, c'est lui d'ailleurs que vous suivez, vous l'écrivez pas, vous n'êtes pas dans la peau de Franck, mais on sent bien que vous faites le point comme on dit au cinéma sur ce personnage masculin et Émilie alors. Et Émilie, elle, c'est une jeune femme qui a été prof de français au collège pendant quelques années, qui à un moment donné a senti que ce boulot-là, ça abîmait son rapport à la littérature, et qui s'est lancée dans une thèse sur un auteur de polar qu'elle adore, qui est Galwyn Donnell, un auteur de polar écossais. Sauf qu'elle s'est lancée dans cette thèse au moment où Franck aurait voulu qu'eux fondent une famille. Et donc elle se lance dans cette thèse, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle part faire ses recherches sur Miralet, l'île des Hébrides, où Galwyn Donnell a vécu les 20 dernières années de sa vie avant de disparaître dans la mer. Alors surtout, ne cherchez pas sur une carte, là, en nous regardant, où se trouve l'île de Miralet. Elle n'existe pas. Ne cherchez pas non plus qui est Galwyn Donnell, ce très célèbre auteur de romans policiers. Il n'existe pas. Tout ce que l'on sait, c'est que vous l'avez inventé. Il y a une formidable mise en abîme sur le statut du romancier et sur la littérature, puisqu'il y a des citations de ce type. Tous ces romans sont disséqués par une troupe d'universitaires qui se retrouvent dans un huis clos total, sur cette toute petite île, minuscule, balayée par les vents. Ils sont une quinzaine d'universitaires, ils font des thèses absolument incompréhensibles sur les livres de cet auteur de polar. Et puis tout à coup, ils sont confrontés aux mots qu'ils utilisent, c'est-à-dire le meurtre, le sang, l'horreur, la terreur. Là aussi, j'en dis pas davantage, parce que ça, c'est, j'allais dire, l'intrigue de votre roman. Les universitaires, vous ne les épargnez pas beaucoup, dites-moi. Alors tout le monde me dit que c'est une caricature, que c'est méchant, mais en fait, moi, je trouve pas... Ah bon. Alors allons-y. Très bien. Non, mais c'est pas méchant, mais vous allez peut-être pouvoir m'expliquer ce que signifie cette affirmation solennelle, très importante. Je cite, « La littérature est un kamasutra intellectuel ». Mais ça, c'est vrai. Ah, c'est-à-dire ça, c'est vrai. C'est quelque chose... Dans ce livre, je voulais aussi faire cette déclaration d'amour-là à la littérature, au sens où, aujourd'hui, on la considère un peu comme une chose vieillotte, comme un vernis culturel dont on aurait besoin en bonne société. On oublie de rappeler que c'est du plaisir, ah bah oui. Que si on lit... C'est parce que c'est un plaisir incroyable. Alors évidemment, nous, peut-être sur ce plateau, c'est d'une telle évidence qu'on n'a pas besoin de se le rappeler entre nous. Mais moi, je sens qu'il y a plein de gens qui l'oublient quand je vais dans des lycées, quand je vais dans des collèges faire des rencontres. On me demande pourquoi je continue à faire ça, comme si c'était parce que j'avais encore mes profs ou mes parents derrière qui m'obligeaient à le faire. C'est une question de plaisir. Et qu'est-ce que c'est bon, en fait, de lire un bon livre, de voyager avec un bon auteur? Mais il n'y a rien de meilleur au monde. Donc oui, la littérature est un kamasutra intellectuel. Ça me paraît tout à fait vrai. La littérature est une forme de plaisir poussée à son raffinement le plus extrême par des écrivains que le rapport habituel au langage ne satisfait plus. C'est pas mal ça, Jean-Christophe Granger.
Non, non, pour l'instant, je souscris à 100%. Nous parlions tout à l'heure du renoncement au rêve avec Joël Dicker, renoncement qui peut briser les êtres. Là, vous nous montrez un couple où aucun des deux ne veut renoncer à son rêve. Et le drame arrive quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On doit renoncer au rêve ou on s'y accroche? C'est une grande question, d'autant plus que finalement... Au-delà de la question de Franck et Émilie eux-mêmes et de leurs rêves personnels, il y a la question de l'oubli, il y a la question du besoin de témoins dans l'existence qui fait qu'en fait non seulement ils ne veulent pas renoncer l'un à l'autre, en tout cas Franck très clairement ne veut pas renoncer à Émilie, mais au-delà d'Émilie, il ne veut pas renoncer à cette femme qu'il l'a vue grandir et en fait avec qui il veut vieillir et mourir pour qu'à la fin de sa vie entière soit validée, le fait qu'il ait vécu soit validé par la personne qu'il a aimée et qui aurait passé toutes ces années à côté de lui. Alors ça c'est une très belle idée, mais vous semblez dire qu'en réalité il est un petit peu égoïste, hein. Il y a un côté sacrificiel, il est prêt à quitter la France et à la suivre en Angleterre quand on lui propose un poste miraculeux à Cambridge, la grande université, mais vous dites en réalité ce sacrifice, c'est de l'égoïsme. Pourquoi ? Je dis qu'en fait c'est un marché, qu'il est en train d'établir un marché en le camouflant sous le nom de sacrifice. Pourquoi je le dis? Écoutez, j'aimerais croire sincèrement qu'il existe des formes d'amour qui sont dénuées de toutes les mesquineries qu'on retrouve par ailleurs dans toutes les parts de la vie. Mais j'ai peur qu'on soit rattrapé aussi par des bassesses de l'être, même dans nos grandes envolées lyriques, même quand on veut s'imaginer qu'on est une sorte de héros wagnérien de l'amour. À mon avis, il y a des choses plus sourdes qui sont en train de se passer en dessous, et des petits marchés qu'on fait avec soi, et des petits chantages qu'on fait à l'autre, même si on refuse de les nommer. Ce qui est exactement le cas de votre personnage, hein, qui se prend pour un grand héros et qui, confronté au réel sur cette île totalement désolée, va s'apercevoir qu'on n'est pas forcément si facilement un héros. Vous dosez parfaitement, Alice Zeniter, l'humour et la nostalgie, une très grande nostalgie, parfois qui arrive comme une chape de plomb avec des pages non pas larmoyantes mais dures, et puis de l'autre côté des pages très drôles à la David Lodge. Est-ce que vous diriez que c'est un livre sur l'incompréhension, peut-être fondamentale, entre l'homme et la femme ? Si je dis ça, j'ai peur que les gens se jettent dessus en espérant avoir un mode d'emploi pour toutes leurs relations futures. Mais oui. Oui, non mais jetez-vous dessus s'il vous plaît. Non mais ça parle de ça évidemment. Je pense que dans Sombre Dimanche, il y avait déjà cette chose-là où je me disais l'amour malgré le désir de fusion, et du coup un des personnages de Juste avant l'oubli le dit, malgré ce désir de fusion totale, malgré cette proximité physique qu'on a jour après jour, n'empêche pas qu'à un moment donné on se couche dans le lit et que la femme qui dort à côté de nous nous est étrangère. C'est-à-dire qu'on ne vit pas avec quelqu'un, on vit à côté de quelqu'un? C'est ça, c'est la théorie d'Anton, la fameuse théorie de la balançoire, et elle me terrifie un peu, mais il fallait que j'en parle. Jean-Christophe Granger, vous ne connaissez pas la théorie de la balançoire? Il faut acheter juste avant l'oubli. C'est l'idée qu'en fait on demande à quelqu'un de partager nos vies, mais que en fait c'est pas de la fusion, ça s'apparente plus à l'enfant qui fait de la balançoire et qui appelle sa mère pour qu'elle le regarde. Ce dont on a besoin, c'est d'un regard aimant qui puisse nous voir au cas où on tombe, mais aussi au cas où on monte très haut. Il faut que quelqu'un dise c'est bien mon chéri, t'es monté très haut sur la balançoire. Pas mal. Oui, il y a une forme comme ça chez elle de cynisme amoureux appuyé par l'humour, mais immédiatement contrebalancé par ceci par exemple qui pose question: est-ce que finalement la beauté, si on ne la partage avec personne, ne devient pas quelque chose d'infiniment triste? C'est une bonne question. Ouais. Et quelle est la bonne réponse, Alice Zeniter? Quand je pose des questions dans un livre, je ne sors malheureusement pas toujours avec des réponses. Mais j'ai partagé la question, donc je me sens moins seule. Bah, c'est peut-être ça la définition de la littérature et de la bonne littérature. Ne pas forcément apporter de réponses, mais poser des questions et les bonnes. Juste avant l'oubli, ça n'est pas un mode d'emploi sur les rapports hommes-femmes, mais par contre c'est un très bon roman sur les rapports hommes-femmes avec plein de questions. Et les réponses, c'est vous qui les trouverez. C'est une coédition, Albin Michel et Flammarion. Alors, Jean-Christophe Granger, voici encore une histoire de famille. C'est une famille où on est flic de père en fils. Enfin, plus exactement, quand on tombe pas dans la drogue ou la prostitution. Sauf que, entre le père, qui est un super flic des années 70 en Afrique, et le fils, qui est un commandant de la crime aujourd'hui, eh bien, il y a des secrets et un sacré fossé. Alors évidemment, vous ajoutez à cela un journaliste qui enquête d'un peu trop près, qu'on va retrouver mystérieusement suicidé,
un tueur en série qui enfonce des clous, oui, je dis bien des clous, dans l'anatomie de ses victimes. Vous bougez tout ça et vous obtenez une famille en train de se déchirer et un très bon roman à suspense. L'Ombre Thanos, c'est le titre donc de ce nouveau roman signé Granger, publié chez Albin Michel. Bravo pour le suspense. Comment décririez-vous ce livre qui, pour moi, est un objet à part? Bien sûr, c'est un polar ou un thriller. C'est aussi un roman sur la famille. C'est aussi un roman sur les secrets. C'est aussi un roman sur la politique et les égouts de la République. De mon point de vue d'auteur de romans policiers, j'ai essayé de faire une saga familiale. La grande nouveauté de ce livre, c'est que ça parle aussi d'une famille, au moins à égalité avec l'intrigue criminelle. Bon, puisque je suis Granger, j'ai quand même gardé l'intrigue criminelle et c'est tout de même une famille de flics avec des enjeux qui tournent autour de ce fameux homme clou là qui va hanter cette famille, puisque le père a enquêté sur l'homme clou 40 ans auparavant au Zaïre et que visiblement l'homme clou est de retour à Paris en 2012. Et c'est son fils cette fois-ci qui va enquêter. Et évidemment, cet homme clou qui est bon. De toute façon, le cœur du suspense, parce qu'on veut savoir qui il est. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'homme clou, tueur en série des années 70, mythique ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. L'homme clou, c'est en fait, à l'époque du Zaïre, un tueur qui était en fait un homme blanc, mais qui utilisait les techniques de la magie congolaise pour mutiler et torturer ses victimes. C'est-à-dire qu'il y a une statuaire africaine très connue au Congo, qui sont ces petites statues de bois qui sont... percé de beaucoup de clous, de tessons de verre, de lames de fer. Les mines Kondi, c'est ça? Les mines Kondi, oui. Ouais. Et c'est parce que l'esprit qui est à l'intérieur de la statue répond quand on la sollicite très violemment, comme ça, avec un clou et tout ça. Le type mon homme clou... Est-ce que vous croyez aux esprits, vous? Ou est-ce que c'est un artifice de romancier? Je ne crois pas aux esprits, mais pour avoir pas mal voyagé en Afrique, là-bas, vous êtes en vacillement permanent. D'abord, on vous parle avec tellement de conviction de toutes ces choses. Quand la nuit tombe et si vous êtes en forêt, là, vous commencez à douter sérieusement. Donc ce type, justement, qui a grandi là-bas, encore une fois, blanc et d'origine belge, il a été initié par des sorciers, et comme il souffrait d'une folie vraiment meurtrière, il s'est mis à faire la même chose avec des êtres humains, en pensant que ces fétiches humains seraient beaucoup plus violents, pour le protéger, lui, des démons qu'il craint. Donc c'est une espèce de, comme ça, de mise en abîme, de peur. C'est un type terrifié qui tuait à cette époque. Il est mort et on ne sait pas pourquoi, à Paris, tout d'un coup, la technique revient. Et 40 ans l'homme plus clou tard. Est là. Et visiblement, en plus, le choix de ses victimes semble montrer qu'il veut se venger des morts-vivants, donc du père, évidemment, mais aussi de ses enfants. Alors ce mystérieux tueur veut se venger de Morvan, le super flic. Présentez-nous ce super flic que vous surnommez le Pasqua de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le Pasqua de gauche? Alors, ça veut dire que, disons que d'ordinaire, dans mes livres, les flics sont toujours très noirs, ils ont un pied dans le crime, et c'est de cette connaissance du mal qui tire même leur talent. Parce que connaissant bien le mal, connaissant bien, comme le chasseur, sa forêt, ils arrivent à deviner ce que va faire le tueur, et c'est finalement, j'aime bien mélanger le héros, quand même, qui est teinté d'ombre, et souvent même mon tueur qui a des excuses, et qui n'est pas teinté de blanc, mais qui a quand même, on peut le comprendre. Non, mais il est souvent victime. Voilà, chez toujours vous, un traumatisé. Ouais. Moi, je crois beaucoup au traumatisme de l'enfance, etc. Et cette fois-ci, j'ai voulu montrer avec Morvan que ce flic, qui est un vrai flic de la criminelle, et qui avait alors ô combien un pied dans le crime, il a aussi un pied dans le mal très général de la corruption, de la combine. Et évidemment, Centrafrique, qui a été son grand terrain de jeu, là, il a fait beaucoup de mal comme une sorte de voyou, de gangster terrible, mais au nom de la République, au nom de l'ordre qu'on doit faire respecter par tous les moyens. C'est ça son credo. Il ne croit pas aux partis politiques, il ne croit pas à la gauche, à la droite, et tout ça. Il croit à l'ordre qu'on doit faire respecter en se salissant les mains dans les coulisses. Voilà pour le décor, mais il y a quelque chose de nouveau aussi dans votre univers, Jean-Christophe Granger, me semble-t-il, c'est que vous ajoutez à cela l'idée que si on veut vraiment se venger de ce type que vous venez de nous décrire, en réalité, la pire des vengeances, c'est peut-être tout simplement de révéler à sa famille son propre passé. Alors, comme mes personnages sont encore une fois assez sombres, le vieux Morvan a en effet un secret terrible. Et la résurgence de cet homme clou qui rappelle le Zaïre, qui rappelle les années 70, évidemment, Grégoire Morvan et sa femme, qui est un personnage très mystérieux, sont très angoissés à l'idée que tout ce retour du passé révèle les secrets qu'ils ont et les choses qu'ils ont faites là-bas au Congo dans les années 70. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose, pardonnez-moi, je ne peux pas laisser passer, avec un petit rictus. Vous avez dit, je suis très intéressé par les traumatismes de l'enfance. Je ne vais pas vous interroger sur vous, encore que. Mais les deux personnages principaux, enfin, justement le frère et la sœur de notre enquêteur, l'un tombe dans la drogue, l'autre
la fille, devient une prostituée. Et à un moment, elles disent à leur père, c'est de ta faute. Traumatisme originel, traumatisme de l'enfance. Qu'est-ce que vous allez chercher? Pourquoi grattez-vous, livre après livre, à travers le polar, autour de cette idée? Moi, c'est ma conviction profonde. Je pense que toute sa vie, on est l'être qu'on a été forgé par ces événements d'enfance. Moi, le premier, j'étais orphelin de père, donc il est évident que tous mes livres... Et j'ai commencé à réfléchir à ça seulement au moment des interviews, alors que tout le monde me posait la question, quand même, vous voyez bien, Granger, vous racontez toujours la même histoire. Donc, en effet, je me suis interrogé sur moi, mais plus largement, je pense que, oui, on a nos fantômes, et parfois, ça semble une évidence de le dire, mais on écrit toujours sur ce qui vous pose un problème, sur ce que vous ne pouvez pas supporter. Moi, des fois, on est choqué par la violence de mes livres, mais je réponds toujours, c'est parce que, justement, je n'ai jamais pu digérer ce problème de la cruauté humaine, du sadisme, du mal, depuis que je suis enfant. Et il me semble que c'est le thème le plus important à évoquer dans un bouquin. Alors, moi, c'est sous la forme policière. Mais quand même, par exemple, cette famille, qu'est-ce que je raconte? Je raconte le destin de ces trois enfants qui sont tordus, par leur enfance cauchemardesque, parce qu'on a oublié de dire quelque chose, que Morvan, en plus, bat sa femme. Donc ils ont grandi, le vieux flic, ils ont grandi dans ce chaos de violence, de terreur, ils se cachent sous la table de la cuisine et tout ça. Et finalement, leur vie, à chacun, est une réponse à ça. Alors, ce n'est pas de la faute du père, dans le sens où il n'y a pas un lien direct, mais chacun s'est défini quand même par rapport à ce traumatisme. Et par exemple, la jeune fille qui donc se prostitue, tout ça, elle s'est définie à contrario de tout ce que voulait faire son père d'elle. Alors vous allez voir, parce que vous en faites quelqu'un qui a envie de détruire cette famille. Mais vous l'écrivez d'ailleurs comme un pyromane qui mettrait le feu à sa maison en étant sûr que la famille est bien cloîtrée à l'intérieur. Alors, il faut c'est bien une dire manière quand même... de régler les traumatismes d'enfance, la détruire, la famille? Mes personnages sont quand même exacerbés. On va dire que c'est quand même pas des gens qu'on rencontre tous les matins dans la rue. Donc la famille est d'une telle violence, d'une telle noirceur que, oui, il y a une sorte de... Et le frère drogué, c'est pareil. Il y a une sorte de volonté de faire couler le bateau avec soi et avec les autres. Mais quand vous dites que vos personnages sont exacerbés, est-ce que ça veut dire que le polar doit utiliser des clichés? C'est-à-dire aller loin dans la caractéristique des personnages, les typer à l'extrême? Alors, d'une part... Que vous reculez devant rien, vous, hein. Oui, oui. Alors, d'une part, c'est presque technique. Vous savez, les lecteurs de polar, maintenant, ils sont, comment dirais-je, habitués à une forme de violence, à une forme de brutalité. Donc, si vous voulez les secouer, il faut y aller. Voilà, ouais, enfin, excusez-moi, mais là, je ne donne pas d'indice. C'est juste un contexte. Le no limit. Le no limit dans le sexe, le no limit dans la drogue, le no limit dans la torture... Oui, donc il faut y aller, comme je disais. Ouais. Et... Bah, vous y allez, là. Et ensuite, est-ce qu'il y a une jouissance quand on écrit là-dessus, une fascination, une répulsion, comment ça se passe? Pas du tout. Vous décrivez par exemple une scène, un moment de torture. Il y a quand même des choses fascinantes dans l'âme humaine, mystérieuses, incompréhensibles. Pour moi, c'est le mal quand même, c'est ça qui est impossible à comprendre. Et donc, je ne dis pas que l'écriture permet de le comprendre, pas du tout, mais il y a une forme de catharsis quand j'écris moi, mais aussi quand les lecteurs lisent. Vous savez, mes lecteurs, ils lisent ça comme des contes pour adultes. Ils lisent ça comme ma petite fille écoute l'histoire de l'ogre qui va venir, qui terrifie tout le monde. Les gens, moi, je le sais, ils lisent ça sous leur couette, ils sont terrifiés. Et en même temps, c'est de la fiction, on raconte un conte. Et c'est paradoxal parce que le temps du livre, toute cette violence, la mort, la cruauté, Dieu sait si c'est réel, ça devient une sorte de fantasme, de fantaisie, d'illusion qui n'existe pas le temps du livre. Le temps du livre, c'est à l'intérieur, vous voyez, comme d'un petit coffre. Donc je pense que ça vient de là, le plaisir du roman policier et de romans comme les miens qui sont très noirs. Ce que je voulais dire aussi, c'est que racontant des histoires si excessives sur la violence côté criminel, évidemment, ma famille devait être aussi très, très, très poussée parce que je ne voulais pas qu'il y ait un décalage comme il y a parfois dans les romans policiers. Vous poursuivez un tueur en série, vous êtes accroché à votre fauteuil, et puis tout d'un coup, le policier revient dans sa famille, il tombe avec des problèmes, il n'a pas payé sa facture. Là, vous avez un déficit d'intérêt terrible. Donc moi, je pense que dans mon livre, il y a un équilibre entre le tueur en série et les affaires familiales. Tout reste assez au niveau. Vous parliez des traumatismes de l'enfance, c'est aussi l'un des sujets du livre des Baltimore de Joël Dicker, sans révéler évidemment le suspense, et notamment le suspense final. Je reviens à la page 449 de votre livre qui m'a fait penser au livre de Granger. Grâce au livre, écrivez-vous, tout était effacé, tout était oublié, tout était pardonné, tout était réparé. Ça répare les traumatismes originels, l'écriture, le livre, le fait d'écrire un roman? Est-ce que ça répare les traumatismes de l'auteur? Je ne suis pas sûr, peut-être, mais je ne crois pas que ce soit le but. Ça peut réparer en tout cas celui qui lit.
Parce que lire un livre, la littérature participe quand même quand on lit un roman qui nous prend. On est soi-même le créateur de cette histoire qui apparaît devant nous. Vous parliez de ceux qui vous lisent dans leur lit. Quand ils vous lisent, ils ne sont pas dans leur lit. Ils sont en Afrique avec vous, ils sont avec le flic. Ils partent quelque part. Et il y a cette capacité au fond, et qui rejoint un peu ce renoncement ou ces rêves ou tout ça, cette capacité à se sublimer soi-même qu'on a en nous, dont on n'est pas toujours conscient, qu'on a quand on est enfant, je crois, et qu'on peut s'imaginer quelqu'un d'autre, et que la littérature, quand on est plus grand, parvient à faire ressurgir hors de nous. Et ça, je crois que c'est très important. Ça répare alors l'écriture. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on a oublié, et ça, Alice m'a fait plaisir, sur le plaisir de la lecture. Il ne faut pas oublier que c'est un plaisir actif. Quand vous êtes vraiment dans un livre, vous êtes avec le livre. Maintenant, le mal du livre, c'est l'audiovisuel. Quand vous regardez un film, bien sûr, vous êtes emporté tout ça, mais vous êtes quand même totalement passif. L'imaginaire est très peu sollicité et on vous donne tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez un livre, vous êtes à la lutte. On vous arrache à vous-même. Jean-Christophe, que vous êtes à la lutte avec justement le cinéma, peut-être même les séries télévisées, quand vous devez. Vous devez rien. Mais quand vous écrivez un roman comme celui-ci, vous sentez à la lutte avec le cinéma ou la télé, les séries ? Alors, moi, comme vous le savez, j'écris aussi pour l'audiovisuel, donc je ne vais pas non plus cracher dans ma soupe. Mais moi, je suis en guerre contre l'audiovisuel. C'est-à-dire, je pense que le combat chaque soir, c'est est-ce que je vais lire mon livre, Le Grand G, ou m'affaler devant la télé. Et je le sais d'autant plus que moi-même, je suis tiraillé par ce choix-là le soir. Vous savez, vous êtes fatigué de votre journée de boulot. C'est plus reposant d'aller s'affaler devant une émission ou un film, que d'aller s'arracher un petit peu pour se plonger dans le livre. Par contre, quand vous êtes dans le livre, et que le livre est bon, là, vous avez des sensations, c'est pour ça, Alice a raison, c'est des sensations d'une autre nature et d'une autre qualité. Là, vous y êtes vraiment. Allez-y, faites-vous plaisir, et surtout, allez expérimenter des sensations nouvelles avec le nouveau roman de Jean-Christophe Granger, Lontano, aux éditions Albin Michel. Juste avant de recevoir Richard Ford sur ce plateau, je vous emmène dans un pays que j'adore qui s'appelle le pays des librairies. Les librairies, ce sont les endroits magnifiques, on y voit passer tout un tas de gens. Même parfois, tenez, de jeunes garçons qui un jour deviendront écrivains. Cette semaine, je vous propose de découvrir en image une librairie que l'un de mes invités connaît bien, Cap sur la Suisse, votre patrie, Joël Dicker, et précisément à Carouge. C'est à côté de Genève, Inès de la Motte-Saint-Pierre a poussé la porte de la librairie. Il y a 3 ans, Joël Dicker a publié son livre « La vérité sur l'affaire Harry Kébert » qui a eu assez vite un très grand retentissement. Et la rumeur a commencé à se faire que la mère de Joël Dicker travaillait dans une librairie à Genève. Je suis la maman de Joël Dicker. C'est sûr que chaque fois que Myriam n'est pas là, la première question qu'on me pose, c'est « Est-ce que vous êtes la maman ?» Je dis « Oui, je suis aussi maman. » « Non, mais la maman !» Il n'y en a qu'une. Le livre qui a une place particulière dans ma vie est un livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mon père, écrit par un auteur qu'il aimait beaucoup faire lire autour de lui. Il s'agit des cerfs-volants de Romain Gary. Si tu aimes vraiment quelqu'un ou quelque chose, donne-lui tout ce que tu as et même tout ce que tu es. Et ne t'occupe pas du reste. Ça se passe dans les années 30 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le héros de l'histoire est un facteur qui combat le nazisme avec l'aide de cerfs-volants. Le livre parle de quelque chose de grave, avec beaucoup d'humour, et on sourit tout au long de ce livre, tout en appréciant le combat pour lequel cet homme se bat. Joël Dicker, est-ce qu'avoir une... Oui, c'est un cadeau. Est-ce qu'avoir une mère qui est libraire, ça prédispose d'une manière particulière à devenir écrivain? Ou est-ce que ça aide? Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est libraire, mais en tout cas, le livre a toujours une place très importante chez nous. Il y a toujours eu beaucoup de livres. À la maison, il y a eu la curiosité de voir des livres, de les retourner, de les ouvrir, de se demander ce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait de si magique, au fond, dans ces livres-là? Il y a eu aussi pas mal de temps passé dans les bibliothèques, et ça, c'est important. Et c'est peut-être plus que de savoir si ma mère est libraire ou pas, c'est plus l'attachement que mes parents et les autres membres de ma famille ont au livre en général, qui m'a certainement poussé vraiment à m'y intéresser de plus près. J'accueille maintenant
l'un des plus grands écrivains contemporains. Il est américain, on lui doit Canada, prix Femina, il y a 2 ans, mais aussi une dizaine de livres qui sont, croyez-moi, de véritables petits bijoux. Il est de passage en France pour quelques jours. Il a donc sa place sur la grande librairie. Voici M. Richard Ford. Richard Ford, bonsoir. Bonsoir Richard. Heureux de vous voir. Très content de vous retrouver, de vous voir, d'être avec vous sur ce plateau. Canada, merveilleux livre publié il y a 2 ans, prix Femina. Et puis nous étions partis à votre rencontre également dans cette émission il y a quelques années. Revoici donc Franck Bascombe. Mais voilà, Franck Bascombe, le personnage de Un week-end dans le Michigan, Indépendance, prix Pulitzer, de L'état des lieux, en toute franchise. C'est le titre de ce nouveau livre qui paraît aux éditions de l'Olivier. Il est traduit, ce livre, par José Camoun, excellemment bien traduit d'ailleurs. Franck Bascombe, alors on va refaire les présentations. Richard Ford, notre héros, Franck Bascombe, a désormais 68 ans. Souvenez-vous, il a été tour à tour journaliste sportif, agent immobilier. Il a tenté d'être écrivain, il a renoncé assez vite à l'écriture. Il a perdu un enfant. Il a divorcé, il s'est remarié, il a surmonté un cancer de la prostate et le voici maintenant à la retraite. Un peu monsieur tout le monde, presque. À travers son regard se succèdent 4 tableaux absolument magnifiques de l'Amérique en récession. Mais il ne s'agit pas du tout de la même Amérique que celle que vous nous présentez, Joël Dicker. C'est celle des banlieues résidentielles. Richard Ford, pour quelles raisons êtes-vous revenu à Franck Bascombe? Pourquoi cette envie à nouveau d'écrire autour de ce personnage devenu culte? Eh bien, pour tout écrivain, on y retourne parce qu'on peut le faire, parce qu'on est libre de le faire, si on le veut. Je l'ai dit avant que je ne le referai pas. Mais voilà, et puis il y a eu l'ouragan Sandy aux États-Unis, et ma femme et moi, nous sommes allés dans le New Jersey, et on a vu les suites de l'ouragan. Et en rentrant à New York, où on habite, je me suis rendu compte qu'il y avait probablement toutes sortes de conséquences à cet ouragan. Qu'on ne verrait pas sur CNN à la télé, qu'on ne verrait pas à la une du New York Times. Et je me suis dit, voilà, c'est une provocation à l'imagination. Parce que la plupart des raisons pour lesquelles les gens lisent, non, pas la plupart des raisons, mais quelques raisons, c'est de savoir qui est la cause de quoi. Quand on pense qu'on sait qu'est-ce qui cause le malheur, on pense qu'on sait ce qui crée l'amour. Mais quand on essaye de relier des choses, qu'est-ce qui cause les choses les plus importantes dans notre vie? Pourquoi elles se produisent? Eh bien, c'est quelque chose que... qui, en fait, ne sont pas tellement intéressantes probablement pour les gens, non. En fait, on écrit pour savoir ce qui nous intéresse dans la vie. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui avait causé cet ouragan et qu'est-ce que cet ouragan avait causé. Et je ne pouvais pas me reposer sur les informations, avec tout le respect que je dois à la presse. Mais il fallait que moi, je décide quelles étaient les conséquences de ce livre. Voilà. Ce qui veut dire, Richard Ford, que la littérature nous permet mieux de comprendre les choses que tous les éditoriaux dans les journaux, que toutes les images qu'on voit sur les chaînes d'information permanente continuent. La littérature a cette précision, c'est quoi le baromètre d'un pays? Mais ça devrait l'être. Je crois, oui. Si vous pensez que... Quel est le rôle de la littérature dans la vie de tous les gens? C'est de renouveler notre vie émotionnelle et de tisser une nouvelle ouverture au monde, une nouvelle connaissance du monde, au-delà de ce qu'on voit à la télé, au-delà de ce qu'on lit dans les médias, oui. Oui. C'est le but le plus élevé de la littérature, je pense. Cet ouragan dont vous parlez, Sandy, les gens s'en souviennent peut-être, c'était il y a 3 ans seulement. Il avait ravagé la côte est des États-Unis, cette côte à la fois mythique pour nous les Français, parce que quand on dit côte est, on pense au Maine où vous habitez, c'est très joli. Et puis il y a une autre côte est, qu'on connaît peut-être moins, les touristes, c'est le New Jersey, c'est-à-dire ces banlieues résidentielles, surhabitées, où il y a du béton absolument partout. Elles ont été totalement nettoyées par Sandy. De quoi est-il la métaphore, cet ouragan, qui tout à coup a mis bas cette espèce de symbole de la puissance américaine? Oh mon Dieu, est-ce que ça doit être une métaphore? Absolument. Est-ce que ça ne pouvait pas être simplement ce que c'est? Vous savez,
le désir de faire une métaphore des choses les plus infimes de la vie, est-ce que ce n'est pas une façon de détourner sa vie et son attention des choses les plus simples que l'on pourrait bien faire dans la vie? Donc, tout d'abord, un ouragan, c'est un ouragan. Et ça détruit la vie de tout le monde, ça abat les choses, ça coûte des fortunes. Et donc, bien avant de pouvoir en faire une métaphore, avant d'en faire la chute de la civilisation occidentale, eh bien, c'est tout simplement un grand vent, c'est une grande tempête. Et ça, c'est ça qui m'a intéressé. Vous savez, le lecteur peut venir plus tard et réfléchir, dire « Ah, c'est quelque chose de plus que ce que ça semble être ». Mais pour moi, lire des livres, c'est de savoir ce qu'ils veulent dire littéralement et littérairement. Ce qui est fascinant, c'est que vous reliez cet ouragan. 2012, c'est aussi l'année de la deuxième élection de Barack Obama, hein, Obama-Romney. Vous reliez cet ouragan, cette campagne électorale entre démocrates et républicains, à un homme vieillissant. Il a 68 ans, il est à la retraite, il ne sait pas trop quoi faire de son agenda qui est vierge. Quel est le lien entre les deux, entre Franck Bascombe, vieillissant, et cet ouragan qui tout à coup vient dévaster le train-train quotidien? None. Il n'y en a pas. J'écrivais au sujet d'un personnage que je décris depuis 30 ans. La première fois que j'ai écrit, c'était il avait 39 ans. Maintenant, on est en 2012 et j'écris ce type encore une fois. J'essaie simplement de le rendre plausible pour tous les lecteurs qui lisent son histoire dans certains de mes livres pour la grande partie de leur vie. Donc il n'y avait pas une relation symbolique particulière entre ce qui se passe au gouvernement, ce qui se passe dans nos vies vieillissantes et l'ouragan, non. Dans les pays dans lesquels nous vivons nos vies privées qui sont inévitablement affectées ou directement impliquées par la vie publique au niveau gouvernemental. Donc je pense que c'est pas une information, ça. On ne le sait peut-être pas. On pense qu'on est isolé de ce qui se passe au niveau de la vie publique, mais nous ne le sommes pas. Et je pense que voilà, c'est ce que la littérature peut être. Elle peut mettre le doigt là-dessus. Franck Bascombe a entamé un inventaire très personnel des mots qui, selon lui, ne devraient plus figurer dans la langue. Par exemple, l'expression « c'est mortel » pour dire « c'est très bien ». Remarquez, tout le monde dit ça, les jeunes disent « c'est mortel », non ? C'est chambé. Bon, alors, il y a autre chose aussi qui vous agace. En France aussi, des gens disent Comme vous ça. Vous n'avez pas idée. Je suis tellement malheureux d'entendre ça. Nous, on a aussi créé du lien, comme chez vous. Il faut créer du lien, ça c'est le politiquement correct. Donc Franck Bascombe décide, lui, de dégager du vocabulaire toutes ces expressions, c'est pas mal, ça aussi. Vraiment, l'adverbe vraiment, ça, il ne veut plus en entendre parler. Qu'est-ce qu'il cherche à faire en réalité? Pourquoi en fait? Je pense qu'il essaye de faire ce que toute la littérature tente de faire, ce que Mallarmé nous a demandé de faire, c'est-à-dire de renouveler le vocabulaire. Le langage, en tant qu'écrivain, nous sommes des êtres humains qui utilisons le langage de la façon la plus précise. On veut pouvoir prendre la commande de ce que nous disons. Vous savez que les mots ne quittent pas notre bouche sans le vouloir. Il n'y a rien de plus important que ça. Alors il y a certains mots et certaines expressions polluées, dit-il, qu'il veut sortir du vocabulaire, mais il y en a un qu'il veut garder, c'est « putain ». Alors, putain, écrit-il, que ce soit en substantif, adjectif ou alors même invective, ça, c'est formidable. Et vous écrivez même avec toutes les nuances dont le part son histoire déjà riche. On garde putain. Oui, il dit fuck en fait en anglais. Oui. Ouais. Eh ben, ça fonctionne pour moi, oui. Il y a des choses drôles et puis il y a des choses aussi qui sont bouleversantes dans votre livre. Page 137, par exemple, le stress, ça fait partie des mots nouveaux. Franck Bascombe, 68 ans, dit ceci. Quand j'avais 20 ans, je ne savais même pas que le stress existait. C'est vrai ça, il était où avant, le stress? Moi, je ne savais pas que le stress existait avant d'arriver à la quarantaine. Vous savez, moi, j'ai eu ma crise du milieu de vie quand j'avais 39 ans. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce que c'était que le stress.
J'ai ressenti des terreurs qui ne voulaient pas disparaître. Je ne voulais pas savoir, j'arrivais pas à savoir pourquoi j'étais terrorisé. C'était moi et les circonstances de la vie. Jusque-là, personne ne m'avait dit que je devais me sentir stressé ou que le stress existait dans la vie des gens. Ça vient quand ça vient, je pense. Mais ça ne part pas. Ce livre, en toute franchise, est également un grand livre, je trouve, sur le rapport aux autres. D'un côté, l'envie d'un jeune retraité de se rendre utile. Alors bon, sa femme va aux cellules de soutien psychologique pour les victimes de l'ouragan. Lui va à l'aéroport accueillir les GI qui rentrent d'Afghanistan. Il va lire à la radio pour les aveugles. Mais d'un autre côté, quand son ex-femme vient mourir dans une maison de retraite juste à côté de chez lui, ou qu'un ancien ami qu'il n'a pas vu depuis 40 ans lui dit « je voudrais que tu sois là », il se sent totalement impuissant. Qu'est-ce que ça nous dit de notre rapport à l'autre ? Eh bien, ça nous dit que il faut avoir un petit peu d'autorité sur notre propre comportement. Et si on va au chevet de quelqu'un qui est malade, si on va à un endroit où notre ex-femme est en train de mourir, c'est notre responsabilité d'essayer d'être témoin, de porter témoignage dans la vie des autres. Parfois, simplement d'être présent dans la vie de quelqu'un, de vérifier que ce qu'il se passe, ce qu'il vit, est véritablement en train de se passer. C'est ça, être témoin, témoigner. Et c'est ce qui lie ces quatre nouvelles. Voilà, porter témoignage. Peut-être pas que ce n'est pas une action naturelle pour quelqu'un de porter témoignage. Peut-être qu'il faut, malgré le fait qu'on n'en ait pas tellement envie, d'aller le faire. Mais ça sert un but quand on le fait. Page 111, Richard Ford, vous écrivez ceci. Je cite. « Quelqu'un a dit qu'aux États-Unis, on tue toute joie dans l'œuf. » Est-ce que vous partagez cette affirmation ? Non, je ne partage pas cette vue. C'était Alexander Heman qui est venu aux États-Unis de Sarajevo. J'aurais aimé qu'il apporte un peu de cette joie de Sarajevo avec lui. Mais on ne peut pas généraliser sur un pays. On ne peut pas généraliser sur la France. Vous savez, au cours des dernières journées, les gens m'ont dit « Ah, oh, les Français sont tristes, la France est triste ». Mais on ne peut pas le dire et être sérieux. Quelqu'un est triste, quelqu'un aux États-Unis a perdu son sentiment de joie. Mais est-ce qu'en général, les Américains ont perdu leur sentiment de la joie ? Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, c'est pour ça que les romans sont là. Regardez de très près quelque chose de spécifique et ne pas généraliser. Voilà, la littérature, c'est poser des questions, c'est aussi refuser de généraliser. C'est peut-être l'antithèse, l'antidote à tout ce qu'on vous met dans le crâne, la littérature. Allez-y, prenez du plaisir. En toute franchise, c'est le titre donc du nouveau livre de Richard Ford. Pas vraiment un roman, quatre histoires qui se lient les unes aux autres avec un personnage principal, ce Franck Bascombe, qui va devenir Richard Ford, vraiment maintenant une des figures du panthéon littéraire mondial. C'est extrêmement bien écrit et très bien traduit donc par José Camoun et publié aux éditions de l'Olivier. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Merci beaucoup, Richard Ford, de vous être arrêté. Je sais que vous repartez bientôt en Allemagne, quelques jours en France. On était ravis de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle les titres des ouvrages dont nous avons parlé ce soir et que je vous recommande très chaleureusement. Le livre des Baltimore de Joël Dicker vient de paraître aux éditions de Fallois. Le nouveau Granger, je dis Granger parce que vous appelez vous-même Granger. Ah, vous parlez de vous à la troisième personne du singulier. Alors, le nouveau Granger, Lontano, sort chez Albin Michel. Alice Zénitaire, ça s'appelle Juste avant l'oubli. C'est une coédition, ils sont mis à deux pour le publier. Albin Michel donc, et Flammarion. Et puis donc, en toute franchise, le nouveau Richard Ford. Voilà. Merci à celles et à ceux qui m'aident à préparer cette émission chaque semaine. La semaine prochaine, sur ce plateau, nous serons en compagnie de Carole Martinez, Alain Mabankou, Eddy Kadour. Et puis, une petite surprise, car nous parlerons du sud profond des États-Unis avec un écrivain qui s'appelle James McBride. Et il ne viendra pas seul, je ne vous en dis pas davantage. Je vous souhaite de très belles lectures. Et maintenant que l'émission est terminée, vous pouvez, puisqu'on parlait de plaisir, vous adonner totalement à ce plaisir solitaire, le meilleur, la lecture.